Oui, chef, c'est la troisième qu'on trouve comme ça. Ça ressemble assez à l'œuvre d'un serial killer. Vous avez vu le message du docteur Vax? Toutes les victimes sont identifiées comme anti-vax. Il doit les traquer à partir de messages sur des forums internet. D'après le légiste, ils bouchent leur nez et les étouffent avec des masques chirurgicaux dans leur bouche. Non, non, il les drogue pas, mais c'est assez délirant. La seringue est remplie de sérum Pfizer. Il les vaccine après les avoir tués. Quel est l'enculé qui a fait ça? Et merde! Dès qu'on a une idée originale, faut qu'on vous copie. Des moutons. Aucune personnalité. Foiré. Commissaire, les gens ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nouveau meurtre? Vous avez vu le message du docteur? Il nie être l'auteur du dernier crime. C'est vraisemblable. D'ailleurs, les masques retrouvés sur la victime ne sont pas de la même marque que les précédents. C'est un signe. Ah, quand même. C'est pas un petit simulateur minable qui va me la faire à l'envers, moi. Du nouveau sur l'affaire des meurtres des antivax, commissaire? Comme vous le savez, nous déplorons aujourd'hui une 10e victime. Mais il est de plus en plus difficile d'identifier le meurtrier. Des signes laissent apparaître qu'il n'y a pas un, mais au moins 4 tueurs. Pourtant, les conditions des meurtres semblent similaires.
En effet, les victimes sont toujours traquées chez les antivax. Mais généralement, ce type de tueur est extrêmement méticuleux. Et des détails divergents sur les corps des victimes prouvent qu'ils sont plusieurs. On dirait bien que celui qui se fait appeler le docteur a lancé une mode. Une mode ? Comme les pantalons à pattes d'eff ou la coupier ? Oh, je suis un tueur, un killer, un vrai monstre, vous verrez !